Vous venez de voir ce qui est sa plus belle victoire. Le voilà qui rentre sur le ring. Trade Storm, le seul fils de Trade Fair et le meilleur fils de Trade Fair à faire la monte. Tout pays confondu. La mère est par Refuse to Bend, un étalon qui a donné notamment la superbe Sarafina. Trade Storm qui arrive au haras de la Barrelière en 2020, qui est tenu par José Gomez. L'unique fils de Trade Fair donc à faire la monte en France. C'est un grand voyageur, Trade Storm. Il a progressé année après année, un cheval qui a duré dans le temps, qui était tout d'abord un cheval de très gros handicap, et en Angleterre ce n'est pas rien car les très gros handicaps ont les niveaux Lister de War Group, et ensuite il est devenu un miler quasiment de génie puisqu'il a gagné le Woodbine Mile en battant Bobby Skitton, lui-même devenu étalon. Il est allé gagner le Zabel Mile à Maidan, donc Dubaï, et est troisième de la fameuse Breeders' Cup Mile derrière nos deux Français Cara Conti et Anodin. C'est au total plus d'un million de livres pour Trade Storm. Issu d'un courant de sang que l'on ne connaît pas beaucoup en France, vous voyez un superbe cheval d'1m66, un vrai globetrotter qui a su s'imposer et qui fait donc partie des deux recrues du haras de la Barrelière pour 2020 après Stormbelt que nous avons vu tout à l'heure. Des courants de sang inédits en France, Stormbelt par Mordan Reilly et Trade Storm, la tempête. Espérons qu'il amènera la tempête à nos éleveurs. Le meilleur fils de Trade Fair au haras en France, un cheval avec beaucoup de modèles qui a su durer dans le temps, gagnant de groupe 1 en battant des chevaux d'exception sous la casaque de Qatar Racing, c'est Trade Storm.